Non, c'est pas ça. Mon monde ne se raconte pas avec des mots, mais avec des images. Mon monde se trouve sur le pas de ma porte. Dans ma rue. Dans ma laverie. Au bistrot du coin. Dans le quartier d'à côté. Ou à des milliers de kilomètres. Dans mon monde, on parle français, anglais, arabe, allemand, italien, espagnol, wolof ou chinois. Mon monde ne connaît pas de limites, pas de frontières. Mon monde est en ville, comme à la campagne. Mon monde est en mouvement. Puis peut s'arrêter brusquement et se figer. Mon monde est silencieux. Et soudain, très bien. Mon monde, il défile sur le pont d'un bateau, par la vie d'une voiture, par le hublot d'un avion ou dans une rame de métro. Dans mon monde, on écrit sur les murs, on rappe. Mais on y écoute aussi des instruments d'un autre temps. Et on passe des après-midi entières dans les bibliothèques. Il se dessine en couleur et devient monochrome selon mes humeurs. Mon monde se reflète dans les yeux des personnes qui croisent mon chemin. Mon monde est au passé, au présent et au futur. Chaque jour, je les découvre et m'en émerveille. Mon monde est façonné par le monde de l'autre. Il se nourrit de son histoire. Mon monde est fait de rire, de pleurs, de joie et de colère. Mon monde se trouve en haut d'un gratte-ciel, puis au ras du sol. Mon monde est solitaire et peut brusquement devenir très fréquentaire. Dans mon monde, on a chaud, puis très froid. Mon monde se trouve sur ou sous l'eau, sur terre ou dans les nuages. Mon monde se trouve dans le creux de ma main, sur un écran d'ordinateur, et se regarde à travers un objectif. Mon monde, il se trouve sur le pas de ta porte, dans ta rue. Mon monde, c'est le tien.